YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue le pexing hardcore. Nous sommes toujours en vie, toujours debout. Rassurez-vous, j'ai l'impression que la lumière est assez rosée, je sais pas pourquoi. Comment se fait-ce? Peut-être que la lumière est pas assez forte. Ouais, la lumière était pas assez forte, je pense. Tout simplement, on va augmenter un peu la luminosité. C'est dégueulasse, ça fait mal aux yeux. Mais voilà. Voilà, peut-être qu'on est bronzé aussi, ça joue, je sais pas. Ok, c'est parti. Alors, il est 21h19. On va continuer l'aventure. Les sacs du ravitaillement, on est quel level? Level 9. On aurait pu faire la quête de remède. On va aller faire les quêtes du coin, là. Les machins. Sac du ravitaillement, les garés et les tranches machins. Il faudrait qu'on passe un petit level pour être 14 et aller tranquillement dans les Barrens. Ça serait pas trop mal. On va faire ça. Tout va bien se passer. Vous en êtes où là-dedans, là? 50, 60. Il y a toujours pas de 60, visiblement. You get a job interview at Bizarre at 60. Oh, d'accord. Super. Ok. Bon. Et bah, allons tuer des harpies, visiblement. C'est parti. Faisons ça. Faisons ça. Il y a l'air d'y avoir du monde. Hein. Il y a l'air d'y avoir du monde. Il me faut des sacs de ravitaillement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de monde. Pour les sacs. Ça m'a l'air un peu touchy. Ah si, il y a des sacs là. Ouais. Il a pris mes sacs. J'en ai besoin de combien moi? 5. Ok. Est-ce que j'ai des harpies à tuer quelque part? Suivez la route, non. Égaré. Trouver. Non, je sais pas. On va voir. Ok. Il me faut 5 sacs. Donc on va prendre le temps qu'il faut. J'ai pas monté mon alchi, j'ai rien fait en dehors du live pour l'instant. On se la joue chill. Et j'en pense que je ne vais pas arriver jusqu'au level 35 en vie. Hein? N'est-ce pas, mon bichi? J'en sais rien. C'est une bonne... C'est un truc à essayer, quoi. On va essayer, on va essayer. Wow, putain, il y a du monde, là. C'est quoi, cette merde? Oh là 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 là. Mais c'est quoi ce peuple de fou? Alors ça joue? Eh bah écoute, ça joue, mais mec, on est trop nombreux en fait. Il y a trop de monde. Trop de monde. On va pas pouvoir rester là. Hein. Mec, je crois que ça doit faire des années que j'ai pas vu autant de monde dans le jeu de WoW, quoi. Regarde-moi ce people, tout est farmé. Je vais pas pouvoir aller faire cette quête. Ok, bon bah on va aller faire les... Tant pis, on forgive cette quête. Hein. Il y a trop de monde. Ça va aller dans le traquenard des Tarides. Bah écoute, ouais. Hein. Ah, vaut mieux le traquenard des Tarides que le traquenard des forêts des pas argentées. Hein. Forêt des pas argentées, c'est plus qu'un traquenard, mec. Il y a carrément des élites qui se baladent dans les spots de farm. Peut-être éviter, non? Ça serait dommage. On va y aller, je pense. Hein. Je vais faire les quêtes du coin, là. Hyper dangereux, les Tarides. Mais mec, forêt des pas argentés. T'as des fils d'Arugal qui se baladent. Et t'es mort. Voilà. Forêt des pas argentés, c'est pas rien. Hein. Je pense que le forêt des pins argentés est moins... est moins rapide en pexing. Parce que les distances sont très longues. En revanche...
C'est vrai que dans les Tarides, je pense notamment aux zones où il y a les centaures, peut être extrêmement difficile, quoi. Regardez le nombre de joueurs là, c'est quoi ce bordel? T'as vu ça ou quoi? Ce matin, il y avait beaucoup moins de monde. Là, putain, le soir, wow! Il y a un peuple bien présent. Ça, on va essayer de vendre ça, on va pas. Ok. Sous les drapeaux de la Horde. Ok. Bon, t'as été jusqu'au bout de la vidéo ou pas, mon bichi? Ou pas encore? T'as pas vu la fin? Tu veux que je te spoil ou pas? Lettre de recrutement. Stipa. Étrange crin. Les sangliers. Magra. Faut vraiment que je réussisse à mettre les notifs Twitch sur ton téléphone. Bah, let's go, mon ref, hein. Fais donc. Enfin, quand ça change complètement le jeu, l'approche est tellement plus intéressante. Bah, disons que. Bah, le truc, c'est que, en plus du fait. Non, mais la quête, elle est level 10. En plus du fait que c'est hardcore, je vais jouer qu'une seule fois. C'est-à-dire que quand je meurs, c'est terminé. Je relance pas le jeu. C'est un one shot. Je comprends pas pourquoi la quête elle est indiquée level 10. Très bien. Les gardes. On va aller en face alors. J'avoue que je suis moyen sur un pour. J'aurais bien aimé prendre un level de plus avant d'y aller. Parce que bon, les Tarides. C'est bien, mais c'est traître les Tarides. Avec la charge, tu as remarqué, faut jamais faire s'il y a des obstacles, sinon tu contournes. Oui, ça bah évidemment. Enfin, la charge, c'est un truc de retard, hein. Ça a pas changé. Hein. C'est un truc de mongolo, la charge. Hein. Ça a toujours chargé n'importe comment. Hein. Ok, là, il y a l'air d'y avoir un peu plus de mobs. Paraît pas trop mal. Let's go, on enchaîne. C'est des mobs bas level, hein, donc ça va bien se passer. Tiens, voilà des gardes. Fulgurance, mon ref. J'ai vraiment failli mourir hein, dans la vidéo précédente. Hein. À la fin. Vraiment à la fin. Quand je vous dis je la sens pas, c'est une mauvaise idée. Ah, c'était vraiment une mauvaise idée. Pour le coup, c'était vraiment une mauvaise idée. C'était la mauvaise idée, quoi. Sur le papier, j'étais mort. Sur le papier, j'étais mort. Genre vraiment. Il y a un monde où c'est où le stream il s'arrêtait là. Vraiment.
Ok, garde. Faut que je suis des éclairs. Ok. Ça c'est bon... Ah, d'accord. Ah oui, les éclaireurs, ils sont que en bas, et... Ah oui, d'accord, ok. Ah, mais c'est pour ça, ok. Trouver un indice sur... Un indice du sort de Kron, on en a informé Misha. Ok. Peut-être aller faire ça avant d'aller au Barrens. J'ai un naft sur le bout de la langue, ça me rend ouf. Il me perturbe de ouf. Bah déjà, il y a un problème avec item rack actuellement. Donc, j'ai pas encore la possibilité de changer de posture. Parce que normalement, quand tu changes de posture, tu peux demander à item rack de te changer tes armes tout de suite, tu vois. Le Trap Canyon, il est là. Je vais y aller. Je suis level 13, j'ai pas grand chose en vrai. Bon, il me faut des éclaireurs. Des éclaireurs. Des éclaireurs, la mif. Qui pour Noir Orage? Vous effectuez cette quête. Et portez la griffe. La griffe. Ah, elle est là. Ah, les éclaireurs, là. Mais lui, tout seul. Oh, le camp, il a été effacé, merde. Huron, Huron. Je vais pas faire ceci en combattant, mais je combats pas moi. J'ai une pétard, un pétard. Hop là. Ah mais non, mais j'ai déjà des... Oh. Mais on peut passer par là? En vrai? On peut passer par là, ok. Good to know. Là, il n'y a pas d'éclaireur. Et que des hurons. Je pense que les éclaireurs ils sont un peu plus devant, mais ils sont morts là. Non. Merde. Salut Florian, comment il va? Comment il va le flou? Pourquoi tu as décidé de jouer à classique fraîche alors que c'est classique era? Je joue à classique fraîche parce que les serveurs sont tout neufs et que du coup bah il y a beaucoup plus de monde et je joue à classique fraîche hardcore surtout. Donc c'est-à-dire que si mon perso meurt, c'est terminé. C'est surtout ça qui m'intéresse. Les éclaireurs, ils sont là. Parfait. Ok. Éclaireur. Waouh. Ok, éclaireur encore. Le retour du WoW classique, mais tu meurs, c'est fini. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu meurs, c'est fini. Sauf que moi, j'ai rajouté une condition supplémentaire. C'est-à-dire que si je meurs, alors déjà, c'est fini, évidemment. Mais... Je ne rejoue plus au jeu. C'est-à-dire que c'est un one-shot.
Je ne fais qu'un seul essai. Après, j'arrête de jouer à jeu. À ce mode. Juste ce mode-là, hein, j'entends. Si je meurs sur le jeu-là, la condition... Enfin, si je meurs là, sur cette partie-là, je ne referai plus jamais de Worldcore. Ce sera le dernier, quoi. Parce que c'est un truc qui me lasse vite. Sur ce serveur, tu peux pas utiliser la boîte aux lettres HV ni échanger, si je me trompe pas. Si tu peux, mais c'est juste que moi, je savais pas qu'on pouvait l'activer. Si j'avais su, j'aurais désactivé. En fait, t'as un PNJ au début. Enfin, c'est pas clair, en fait. C'est pas clair. Et en fait, au début, t'as un PNJ, tu lui parles, et en fait, ça te bloque, ça peut te bloquer la hache, échanger avec les personnes, enfin, ce que t'as dit, Bichy. Sauf que je ne le savais pas. Si je l'avais su quand j'ai commencé le personnage, mais quand je l'ai su, moi, j'étais level 7-8 déjà, donc j'avais pas envie de tout recommencer. Donc du coup, tant pis. Donc on joue au mode hardcore, mais pas hardcore solo, quoi. Si c'est la question. Si, si, je me suis donné ce défi. Si je meurs... WoW classique, fraîche, hardcore, c'est terminé. Déjà, le premier défi, c'est level 35. Non, mais ça fait partie de mon défi à moi. Premier défi, level 35. Mais je pense pas atteindre le level 35, en vrai. Je pense que je vais mourir avant. J'arrive pas encore à voir comment, mais je vois que je fais quand même des erreurs, tu vois. J'ai failli crever dans la vidéo précédente. Dans les dernières vingtaines de minutes du live, j'ai failli crever. J'ai sous-estimé un excès de confiance, probablement. J'ai sous-estimé un mob. Et si j'avais été tout seul, je serais mort. En fait, c'est même pas ça. Si on m'avait pas aidé, je serais mort. Et ouais. Donc on m'a aidé, je suis pas mort. Mais c'est seulement parce qu'on m'a aidé, hein, sinon j'étais mort 100%. Non mais c'est ce que je viens de dire, Florian. Si je meurs, je joue plus à ce mode. En tout cas, installez-vous. Hein. Alors, voyons voir c'est quoi ces quêtes. Qu'est-ce que c'est que ces quêtes ? Parlez donc. Ok. Ah, c'est dans les crocodiles, il faut tuer des crocos, d'accord. Faut tuer des crocos. Ce qui serait marrant, c'est que je monte mes métiers hors cam et que je meurs hors cam. Ça serait vraiment drôle. J'aurais un seum de fou, t'imagines ça ou pas? Ça serait incroyable. Sur un serveur officiel HC, apparemment, t'avais l'option où tu peux pas te heal par des joueurs aussi. Oui, mais c'est oui, tu sais ça, c'est cette option-là. Cette option que je ne connaissais pas. Et je l'ai découvert trop tard. Et en fait, tu peux le faire que dès le début, en fait. Tu peux pas le faire après, tu peux le faire que quand t'es level 1. Quand tu viens de lancer le truc. Sinon tu peux pas le faire. Et j'ai découvert ça, j'étais level 7-8, j'avais pas envie de recommencer, quoi. Tout simplement. Griff de Vizel. Ouh, je rentre dans un canyon, il n'y a pas de mob. Bon après les mobs sont level 9. Je suis dans un traquenard, ça y est, on y est. Après, je suis level 13, franchement, il y a quand même peu de chances qu'il m'arrive une galère. Hein.
sous-estime peut-être le truc, vous pensez? Foudroyant. Ok, Fizzle il est là je crois ce bâtard. C'est le mob qui est là, non? Elle est là. Ok, il y a plein de mobs qui sont les uns sur les autres, visiblement. Et c'est assez intéressant de voir ça. Vous avez vu la dinguerie du track ou quoi là? Le truc est buggé. Et j'ai toujours en aggro. Hein. What the fuck? Il y en a qui ont été intelligents là. Il y en a qui ont été intelligents. What the fuck? Dinguerie. What the fuck? What the fuck? Là c'est pareil hein. Non je pense que même tout seul je me serais barré. J'ai fait un retour en arrière parce que j'ai vu qu'il y avait du monde. Il y avait quand même peu de chance que... Franchement, ça aurait pu être dangereux, j'avoue. Parce que j'ai bien vu qu'il y avait des mobs qui étaient pas que les uns sur les autres. Il y a peut-être même des mecs qui sont morts en essayant de faire des trucs, je sais pas trop. Mais j'avais confiance en ma capacité à courir. Le gros avantage des casters, surtout pour des shadows, c'est qu'en fait, c'est pas du corps à corps. Le corps à corps, il t'ébête. Alors que le distance, les coups, ils t'ébêtent pas. Surtout les shadow bolt et toutes ces conneries, ça t'ébête pas, ça. Merde. Je trompais de chemin. Je suis pas mort, toujours debout. Toujours debout, rassurez-vous. En tout cas, c'était assez drôle de... Parce que ça, c'est le genre de truc qui peut t'arriver, tu vois. Les mobs, ils étaient paqués les uns sur les autres parce que le jeu est mal fait. Shit happens, hein. Shit happens. Okay. On va tuer des crococos, des crocodiles pour récupérer l'amulette. Les crocodiles, il y en a pas, ils sont pas très agressifs. Dis quoi? Qu'est-ce que t'as écrit quoi, Florian? Je sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est? Le double TS là, c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Je vous vous allez voir sur le premier crocodile, ça va drop. C'est ça le talent. Le premier, vous êtes prêts? Regardez. Regardez, parce que le talent c'est comme ça. Alors c'est pas ce que j'attendais, mais merci. Je prends. Let's go. Un truc tout qui se paye avec des points pour avoir la voix de personnes virtuelles ou de vraies personnes. Ah, pour les messages.
Tu veux dire que ça lit... quand tu fais un don, ça lit les messages, un truc comme ça? Oh. C'est ça que tu parles? Genre ça prend une voix de robot et ça lit ce qui a été mis dans le don, par exemple? Un truc comme ça? Mais même si je l'active... Alors déjà, un, je sais pas comment ça s'active. Et même si je l'active... j'ai pas... J'ai très peu de subs et de dons. Donc je vois pas... Quel serait vraiment l'intérêt, tu vois ce que je veux dire? Je serais pas contre, hein. Mais je vois pas l'intérêt. Pour moi, en tout cas. Bah, du Ameno, ça fait très longtemps que j'ai pas entendu Ameno, pour le coup, tu vois, par exemple. C'est un bon exemple. Le Ameno, on l'entend pas souvent. Hein. On n'est pas beaucoup à regarder en ce moment le stream. Ah, si ça te manque, donne, mon frérot. Non, toi, t'es jeune, donne pas d'argent. T'es trop jeune pour donner de l'argent. C'est les gens qui font des dons. C'est les gens qui font des dons qui activent la cloche, on va dire. Mais même 100 bits, hein, je crois pas que 100 bytes. Je sais même plus ce qu'il active. Quel est le niveau de don qu'il active. Je m'en rappelle plus. I don't remember how much. This needed to show the Ameno. Ce Ameno cry. Non, tu peux pas payer le Ameno avec des points. Mais les points de chaise, ça s'acquiert avec des abos, je crois, hein, les points de chaîne. Non, les points d'abonnés, c'est pareil. Non, tu peux pas. Le Ameno, il s'active uniquement avec les dons. Les dons les bytes. Ou les dons sur Tipeee. Ok. Oh là là, des patates que je mets. Toujours rien. Il est bloqué, lui. Bizarre. La question c'est, est-ce que je vais mourir d'une erreur personnelle ou est-ce que je vais mourir d'un bug? En fait, elle est là, la vraie question. C'est ça la vraie question. C'est est-ce que c'est un bug qui va avoir raison de moi ou est-ce que c'est une erreur de gameplay? Et ça... je sais pas trop, hein. Je me dis qu'il y a quand même de fortes chances qu'il y ait un vieux bug de merde avec des ripop chelous, un truc bizarre. Tu comptes faire des donjons? C'est dangereux. Je pense faire au moins rage-feu, tu vois. Mais bon, comme tout le monde est un peu précautionneux, on va voir. Wailing Cavern, c'est sûr que non. Puisque c'est vraiment le corsaire, cette instance. Un chat. Merci pour le resub, mon bichi commandant des armées. 17e mois, putain. C'est ça qu'on veut. Il veut pas mourir, lui. Les gens tuent des crocodiles, hein. Ça veut pas drop, hein. Je pensais que ça allait drop fast. Bah non. Tu fais avoir. J'aurais dû faire avec le Prime, flemme. Bah si t'as le Prime, ouais, t'aurais dû, c'est dommage. Bah tu vas le garder pour quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Bah ça t'aurait fait économiser un petit peu d'argent, quoi. Merci pour le sub, évidemment. Une capuche.
Déjà, pourquoi les points d'abonnés, ils sont devant les points de... les points de... les abonnés? Il y a un problème déjà. Modifier le panneau. Voilà. Comment je sauvegarde? Tu vois, ça c'est... c'est des trucs qui peuvent arriver, tu vois. Hop. Cancel the change. Voilà. Parfait. Tu vois, tu restes bloqué. Sans faire exprès. Mais je crois qu'il y a un mec qui est mort comme ça. Il était en train de parler dans le chat. Il a pas regardé. Et bim, il est mort. il est mort sous l'eau, quoi. C'est vraiment les pires morts. Hein. C'est horrible. Hein. C'est une fois par mois le prime. Ouais, c'est une fois par mois. Ah oui, ça c'est horrible. Faut des potions de liberté, quoi. Mais pour les potions de lib... bah, ça coûte de l'argent, quoi. Et c'est pas tout de suite, les potions de lib. Hein. Et j'en ai tué des crocodiles, hein. J'en ai tué, hein. Ça veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais, les poussières, je les ai gardées. Oh, faut faire gaffe. Hein. À tout moment, tu veux péter un croco et... t'as un mob 15 au-dessus qui t'attaque, la gueule. Ouais, la régène du troll, elle est incroyable. C'est incroyable. La régène, elle est incroyable. C'est fou ce que je régène avec... Et je m'assois quasiment jamais pour bouffer. Hein. Vraiment, c'est insane. Attends, les crocodiles, ils sont énervés, là. Ils sont level 12, ici. Ok. Ça. Herbo Alchi Masterclass pour ce défi. Bah évidemment. Je voulais pas le prendre au début. Puis après je me suis dit wow, ça serait quand même dommage. Parce que bon, on passe à côté de plantes quand même assez c'est assez facile à monter en vrai. C'est un des métiers les plus faciles à monter. Mais j'ai fait tous les crocos de la vie là. Je suis dans aucune guilde sur ce perso. Et la vie de ma mère, il est où ce truc là? JPP là. Je vais descendre jusqu'où comme ça? Je vais péter mon crâne, putain. Putain, mais la porte est grande ouverte, le chat. Damn, c'est quoi ce bordel? Je vais l'abandonner cette quête si ça continue. Gros, c'est pas possible. Est-ce que je continue à descendre jusqu'en bas? Ou est-ce que je commence à remonter? Ah, je sais pas trop.
Putain, je vais remonter là. C'est pas possible. Quelle est la classe corps à corps de WoW Classic disponible dans l'Alliance avec le moins d'attaques auto? Je comprends pas la question. T'as les mêmes classes dans la Horde que dans l'Alliance, à part le paladin d'un côté et le chaman de l'autre. Je vois pas trop l'intérêt de la question, j'avoue. I don't know what you want to say. Toujours pas. Toujours pas. Je veux celle qui a le moins besoin d'attaquer sans utiliser de sort. Je comprends encore moins ce que tu viens d'écrire, je suis désolé. T'as compris Bichy là? Parce que moi j'ai pas compris. Et B. C'est une dinguerie, hein. Cette quête, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai pas souvenir d'avoir attendu 66 ans pour choper la merde, là. Ah, c'est une dinguerie. Oh putain! Enfin! Il était temps, bordel. Alors, du coup, nous on veut valider la quête ici. Ok. Donc je dois valider là et là. Et là. Ça, c'est sur ma route. On va aller d'abord là-haut, ensuite on va aller là et ensuite on se barre. Ok. On va faire ça. La classe la plus amusante de corps à corps avec le moins de besoin. De besoin pour attaquer automatiquement. La plus amusante, quoi. Bah, faut pas se baser sur les attaques automatiques ou tout ça. Faut se baser sur ce que tu veux jouer, toi. Qu'est-ce que t'aimes jouer? J'ai fait quand même un nombre considérable de classes différentes sur mon stream. Qui a pu probablement te donner un ordre d'idée de ce que tu pourrais peut-être aimer jouer. On a fait un démo, on a fait un warrior, on a fait un rogue, on a fait un prêtre, on a fait un mage. Je veux dire, on a fait 90% des classes de WoW qui est proposé. J'ai je sais pas combien de let's play sur toutes les classes du jeu qui étaient disponibles fut une époque. Je pense que tu dois à peu près savoir ce que tu préférerais jouer. Au secours, ça y est, les problèmes de sac reviennent déjà. Ça revient toujours. Chez moi, c'est une tare. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Allez, là. Ok. Alors, valider, je crois que c'est là-bas. Yes. Let's go. Faut que je vende absolument, c'est un cauchemar. L'avantage, c'est que c'est un fresh serveur, donc je pense qu'on est capable de tout vendre. Qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Ça m'avait manqué, tu dis ça. C'est mon expression fétiche, hein. Qu'est-ce que c'est que ces simagrées?
Toi, tu penses que j'atteindrai pas le level 35? Je mourrai avant, genre. Gloire à la Horde. Oh, nice. Nice. Petite cape, là. Wow. Je vais arriver level 14 en vrai, c'est pas une mauvaise, c'est pas un mauvais choix. Bon, dans les barrettes, il va y avoir un monde, ça va être considérable. On va se marcher dessus, ça va être horrible. J'en suis sûr, ça va être horrible. Pacifique, pacifique. On y est presque. Parler à Margoz. Non, non, on va clairement pas parler à Margoz. C'est trop loin, ça me fait chier d'avance. Non, non, non. Vendre. Vendre, surtout vendre. J'ai trop de trucs, faut que je vende. Faut que je vende, faut que je vende. Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez ? Ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ça, je peux peut-être le vendre, ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je vends. Ça, je garde. Ça, je vends. Ça, je vends. Ok. J'ai plein de potions, mais il faut que je les garde parce que... en alchimie, après... Ça va me permettre de... Ah, ça, j'ai pas, ça. Nice. J'en avais pas de ça, tu vois. Hop. On va reprendre ça. Et ça. Ok. Nickel. Ouais, parce que régénération de troll plus régénération, c'est quand même très fort. En vrai, les deux cumulés, c'est fort. C'est parti pour les Barrens. Let's go to the Barrens. On est quasiment level 14. C'est correct. Plus que correct.
Allons-y. Allez, je vais en avoir des quêtes, les gars. Sac de surveillance, j'abandonne. Rien à foutre. Avant qu'une partie pour la roche du crâne, parler à Margoz, un sage. C'est trop loin, mec. C'est trop loin, en fait. Juste, c'est trop loin. Putain, mais je me dis à l'époque. Comment tu faisais, quoi? T'avais WoW cartographe. T'avais pas Questy. Et tu fais trouver sur la map où tu devais aller avec cette information. L'un de nos chamans, Margoz, en sait plus sur la corruption de la lame ardente. Il parle d'une caverne appelée Rocher du Crâne dans les montagnes, juste à l'extérieur d'Orgrimmar, qui abrite un important troupe de sectateurs. Avant que vous ne partiez pour le Rocher du Crâne, parlez à Margoz, c'est un sage et son conseil est précieux. Il campe au nord-est entre la côte et le ravin asséché. Toi, t'es là entre la côte et le ravin asséché. Alors du coup, tu passes ta souris, je pense que tu devais passer ta souris en mode comme ça. Ah, le ravin asséché, la côte, tu devais deviner que ça devait être là, quoi. Force, hein. Putain, comment c'était chiant à l'époque. J'ai du mal à me rappeler comment c'était compliqué. J'avais pas l'impression que ça l'était pourtant. Et pourtant, on en chiait sa mère. C'est quand même incroyable. Il me dit que tu faisais tout ça. On a fait tout ça. Sans rien, sans savoir où on allait. Fallait deviner, c'était la découverte. J'imagine les gens qui découvrent le jeu sans Questy, sans rien, tu sais. À l'ancienne. Qui n'ont jamais joué à World of Warcraft et qui sont là en train de tester le truc. Oh, putain, tu dois devenir ouf. En fait, je pense qu'on était beaucoup plus dans l'interaction, du coup. Ça nécessitait de parler à des gens. T'étais obligé de dire, hey mec, tu sais où allait cette quête? Je crois que c'était la question qui était le plus posée à l'époque. Hey mec, tu sais où allait cette quête? Et le mec il disait ah ouais, j'ai demandé à un autre mec, il m'a montré, je sais où aller, je peux t'emmener. Et le mec t'emmène, quoi. Et il te dit c'est là. Voilà. Bah c'était comme ça WoW à l'époque. Vraiment comme ça. Là on est sur du WoW hardcore où tu peux jouer solo. En fait tu joues au jeu solo, quoi. Tu vois des joueurs autour de toi, ils peuvent pas t'aider. Tu peux pas interagir avec eux, tu peux rien faire. Je vois pas l'intérêt de jouer comme ça en vrai. Là je le fais spécialement parce que je me suis lancé un petit défi, tu vois. Mais je me dis quel est le vrai intérêt de faire ça. Autant jouer à un jeu solo. Tu vois. Mais je trouve ça très étonnant que Hardcore, ils aient pas, il s'est pas sorti plus tôt en fait. Genre avec l'expérience de Diablo, tu te dis quand même. Alors que c'est Blizzard quand même qui l'a inventé donc. Tu t'es dit quand même, putain, ils avaient le potentiel de le créer beaucoup plus tôt que ça. Ça aurait été devenu légendaire, hein. Un jeu comme ça, rempli de contenu, avec une durée de vie gigantesque. Ils ont pas pensé à mettre un truc, tu meurs, tu perds tout. Je trouve ça ouf. Juste un serveur spécial pour ça. Je trouve ça ouf que personne... Enfin, je pense que plein de gens ont eu l'idée et que Blizzard a dit non. Il y a probablement plein de développeurs, de chief account management, de tout ce que tu veux, qu'on dit, mais attends, mais pourquoi on propose pas ça? C'est sûr qu'il y a dû y avoir des mecs qui ont proposé ça. Et je me dis, ça a été refusé, mais ça aurait été un banger en fait. Ça l'est maintenant, mais imagine à l'époque le banger que ça aurait été. C'est sûr, 100%. Ça aurait été incroyable. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et ça n'arrive que maintenant, finalement. Alors qu'à l'époque, on jouait pas en mode casu. On jouait en mode énervé. Donc, le mode aurait pu coller, tu vois.
Ou alors ils ont considéré que le jeu était déjà assez difficile comme ça. Mais c'est le principe même du truc en fait. C'est, ça aurait été juste pour déjà des gens énervés quoi. Des gens très énervés qui veulent absolument faire ça. J'aurais trouvé ça très intéressant à l'époque. J'y aurais probablement joué et j'y aurais probablement cassé beaucoup de claviers et de souris. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais bon. Nous y sommes, mesdames et messieurs, nous y sommes. Hello there. Gloire à la Horde. Adieu. Level up. Allez, avec honneur. Nous sommes level 14. Ça fait plaisir de voir des zones remplies de gens comme ça. Alors que cette zone, il n'y a plus personne dans tous les serveurs maintenant du jeu. Là, tu te dis, waouh. Ça fait plaisir, quoi. Sans et tonnerre. Trajet vers Ogrimmar, De quoi avez-vous besoin? Stopper les hurons. Cherchez la victoire. On monte, on monte, on monte. Il y en a des quêtes ici, hein. Putain de fou. Bon, les quêtes 20, on les prendra plus tard. Les quêtes 13, oui. Ok. Alors. Bordel. Nom de Zeus. Il faut parler à Tungin Trunun pour acier forgé. C'est parti. Nous y sommes. Let's go. Gugu Gadgeto tuer des trotteurs. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Tuer des trotteurs. Attends, c'est farmé, hein. Je me demande, c'est pareil dans tous les layers. Déjà, le trotteur, déjà, il m'a mis mal, déjà. Il m'a mis en difficulté, le trotteur, déjà. Il m'a mis à 60%. Pourtant, il est plus bas que mon level, hein. Cuisinier. Je vais pas prendre la cuisine quand même. Je vais me faire chier avec la cuisine, genre. Non. Quand même pas, non. Si. Je vais pas me faire chier avec la cuisine, si. Vraiment, genre. Non. Ah, un trotteur. Bec de trotteur. Ouais, il y a des trotteurs partout ici. Pas pensé à monter pour aller faire les trotteurs. C'est une bonne idée ça. Ça c'est une quête de war, hein, ce que je suis en train de faire, visiblement. Parce que ça me dit rien cette quête. Apporter les barres d'acier forgé. Ok.
Je sais absolument pas où elles sont, ces barres d'acier forgé. Mais j'y crois. Je me demande c'est quel level l'exécution? Voilà une excellente question. Nice move. Viens là, trotteur. Pensez que c'est risqué comme zone? Peut-être. Alors, peut-être. Possiblement risqué. En tout cas, il y a plein de trotteurs et là, je suis tranquille. Personne m'emmerde. Ah si, regardez, je suis plus tout seul. Bec de trotteur. Des brassards. J'atterris où là? Entre les deux trucs. Ok. Voyons voir le monde qu'il y a ici. Ok, première attaque ratée, ça commence bien. Des ceintures. J'ai récupéré des trucs de maille, je crois. Ouais. Pas mal, ça. 68. Je suis en train de combattre, là. Ok, c'est bon. Elle est douce avec le chien, c'est pas simple. Hein. Chaud, hein, le chien avec. Hein. Allez, on continue. Putain.
Là, c'est parce que j'ai le level que je peux me permettre de faire ça. Là, t'es pas level 14 ou plus. Level 13, tu commences à être difficile. Hein. 20 points de dégâts toutes les 10 secondes. C'est pas cool. La caisse de ravitaillement, elle est de l'autre côté aussi. Hein. Hein ? Reviens là, toi. Le mob, il s'est barré à 800 km, ce bâtard. Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un qui a voulu me venir en aide, visiblement. Pour une raison obscure. Peut-être il s'est dit que j'étais en difficulté. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans l'entraide là-dessus, là. C'est pas forcément une mauvaise chose. Ah, la barrière. Ah, c'est là le truc forgé, là, c'est dedans. Ok. Barrière d'acier forgé. Bah, très bien. Parfait. C'est là-dedans, genre? C'est dans ce truc-là? Ah, oui, c'est là. Ok. Bah, nickel. Petite quête de fête comme ça. C'était juste là. C'est quoi ce que je récupère là? Des potions de soins supérieurs. Très bien ça. Et du coup les caisses de ravitaillement, c'est de l'autre côté. Il m'en faut au moins une. Explorer, caisse de ravitaillement. Après c'est une quête que je peux faire après en vrai. Mais tant qu'à faire. Maintenant que je suis là. Tiens, je vais me prendre un bœuf bouffe. Ah, remarque, ça va tiquer. Ça va me cancel mon... Ah non, ça va pas cancel mon truc, ok. Bah, tant mieux. Parfait. Alors, caisse de ravitaillement. Là, c'est les géomanciens. Parfait, il y en a une là. Donne. C'est perfecto. On va retourner tuer des tisseurs et compagnie. Il faut que je tue des raptors aussi. Il faut que je tue des raptors. Il faut que j'aille au bassin pour les sports. On a plein de choses à faire un peu partout. Là ici c'est les géomanciens.
C'est vrai que ça va être long, on voit, hein. Putain. On a choisi la longueur, hein. Tisseur, parti. Il est chiant avec son humus de merde là, ça fait mal ce truc hein. J'avais de l'aggro de ce mob. Étrange. Ah oui, je suis déjà revenu là, ok. Il me faut toujours des tisseuses d'épines. Qui sont visiblement des femelles. Ah bah voilà. J'aime bien quand ça repop tout de suite. Pas dans toutes les situations bien sûr. Ok. Très bien. Bah voilà, il va falloir tuer plein de trucs maintenant. Voilà, voilà. Des trotteurs, des bassins, des... Merde. GG ça. Clap clap. Mais je vois. Tout a été tué. Je pense que si je vais dans ce coin là, il y aura un peu plus de mobs. Dichou. Même pas. Peut-être remonter du coup là-haut sur la montagne pour trouver des trotteurs. Bah, c'est ce qu'on va faire. Hein. Je vais passer par là, tac 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 tac. Je vais remonter jusqu'en haut. Je pense que c'est la meilleure chose à faire.
Bien fait de remonter, visiblement. Pâté, putain, j'ai la musique de merde dans la tête. Au secours. Je sais pas qui va avoir la patience de regarder des rediffs de ça. Hein. Franchement, je sais pas qui va avoir la patience de faire ça. Hein. Parce que c'est lent, hein. On se fait chier, putain. Allez, les trotteurs, c'est fait. Ok. Très bien. Continuons. Main droite. 7,8. Ok. Pour la horde. Bah on redescend. Hein. On va y valider nos quêtes. Du moins celles qu'on a faites. Ok. La bâtarde courte du loup selling bid on it. Ok. Qu'est-ce qui vous amène ? Eh, des trucs, mon ref, des trucs. Par contre, des world buffs, on n'est pas prêt d'en avoir. Hein. On n'en aura probablement même d'ailleurs jamais. Parce que bon, pour faire des world buffs, bah, il faut tuer Rand, quoi. Du coup, bah, c'est mort. Les fleurs, pareil. Onyxia, pareil. Bon. C'est mort, quoi. Solvate the game, die to elevator. Ok. RIP. De quoi avez-vous besoin ? Cherchez. Tuer des zébras. Topé les 1. Voilà, perturbation. Tuer des géomanciens. Ok. Trajet vers Orgrimmar. Maître de quai. Ding ding dizing. Apporter la caisse. C'est tout. Ok.
Eh bah, ben, allons là-bas. Les sports, level 15, la quête des sports. Des Evras, des raptors voleurs. Level 15, cette quête, ouais, on va aller là-bas. Hein. Là, ça commence un peu à être tendu vers là-bas. Je vous le dis. C'est en train de se fight. Morte couille. Morte couille, c'est parfait comme pseudo, putain. Ça, c'est des bons pseudos, ça. Feuille d'argent. Je pense qu'on va pas pousser au-delà de 23 heures. Deux bonnes heures de stream. En sachant qu'on va probablement recommencer demain. Si la hype est toujours là. Sinon, on fera du Warcraft 2 aussi. Hein. Il faudrait que je continue Warcraft 2. J'ai pas continué là et j'aimerais bien continuer un peu Warcraft 2 là. L'acte 2, j'ai fini l'acte 1, il faut qu'on fasse l'acte 2. J'aimerais bien faire ça aussi. Peut-être que je ferai ça demain, je sais pas trop encore. Je sais pas trop. Ok. J'ai changé de layer là. Les mobs ont des pop. J'ai vu des mobs des pop. Le changement de layer, c'est vraiment le truc qui va me tuer. Hein. Des Evras. Ça va le faire. Ça va le faire. Raté, raté. À mon avis, les sports fongiques, je pense qu'il y a littéralement 2000 personnes dans le bassin en train d'essayer de les récupérer. On va y aller, mais bon. Ah non. Pas tant que ça, visiblement. Un sport fongique. Il y en a un en face. Il y en a partout, c'est parfait. Églantine là-bas. À mon avis, églantine, il faut être 75, je crois, pour récupérer de l'églantine. De mémoire. On va vérifier ça. Oh, il y a un champi là. La zone est ultra farm, c'est un cauchemar. On va se casser d'ici. Tuer les milliards de centaures là. C'est déjà chiant sur classique.
C'est déjà chiant sur SOD. Alors je me dis, putain... SOD, t'as des sorts en plus, ça va plus vite. T'as plus d'XP, machin, truc. Là, putain... Les bracelets de mort, là, il faut 15 bracelets. C'est bon, quoi. Ça me saoule d'avance. Ok, on se casse ici. Quelle quête les centaures là? 14 et 16. Hein. Activer tête de raptor. Pas de raptor. Hein. Ok. Et de 1. Ok. Les têtes de raptors. Il y a des raptors là-bas. Allons voir. J'étais en lurk, tu m'as dit un truc, non? Je sais plus. Je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a, gros chat? Je t'ai peut-être dit un truc, je sais plus. I don't remember. Ouais bah on est dans les tarifs mon ref. Je te cache pas que on se fait yesh dans les tarifs hein. On se fait yesh dans les tarifs. 50. Ok. On se fait yesh dans les tarifs. Il y a un peuple de fous en plus. J'adore la charge du war. Elle est pratique, hein. Gouffre de rage-feu, j'ai pas de level. On va pas y aller 14, hein. Bah, quoique, en vrai, on pourrait, hein. Là, demain matin, je suis en train de réfléchir à peut-être faire... du Warcraft 2 continuer. Juste ne pas tomber dans la lave. Non, mais qui tombe dans la lave déjà? Déjà, qui tombe dans la lave? Tu one shot dans la lave? Non, tu prends des tics, non? Pas one shot. Prends juste des tics de lave comme à MC, non? Des fois, one shot? Comment ça se fait? AMC, tu peux rester je sais pas combien de temps dans la lave, tu meurs pas tout de suite quoi. Ah, c'est vrai que quand t'as pas beaucoup de points de vie. Ah, ouais, c'est vrai que ça fait des tics. Ça fait pas des tics en fonction de tes points de vie, ça fait des tics en fonction d'un nombre de dégâts prédéfinis. Franchement, je sais même plus. Tête de raptor, tête de raptor. Les griffes. Certains endroits bug, donc one shot. Bah super, vraiment. Un jeu de qualité, hein. Un jeu de qualité, quoi. Le jeu bug, one shot, enfin... Ça rouffe un peu, non?
Bonjour. Qu'est-ce que c'est ? Ok, je reviendrai après. Ça reste chaud en caca en donjon. En caca, oui, d'accord. C'est chaud en donjon. Les cacs. Ah, ça a toujours... Le pire, c'est le tank. Hein. Le pire, c'est le tank. Hein. Le tank, c'est le premier à crever, quoi. Si lui, il pue sa mère, c'est fin. Salutations, voyageur. C'est... Je préfère vraiment... Je préfère vraiment être DPS là pour le coup. Hein. DPS, tu vois le tank qui meurt, tu te TP quoi. Nique sa mère. Tu cherches pas. Le tank. Chaud sa mère. Porter les sports fondus à l'apothicaire, à Thunderbluff. Ah, oh, j'ai pas envie. Ah, oh, j'ai pas envie. Oh non, ça me dégoûte. Ah, oh, j'ai pas envie de faire ça. Ah, oh, j'ai pas envie. Rien que je vois 44 minutes sans fly. Ah, oh, ça me donne pas envie. Hein. Ça me donne presque envie d'arrêter là. Ça me dégoûte. J'ai pas envie de faire ça, putain. C'est long, en fait. C'est trop long, classique. C'est pour ça que je joue KSOD, maintenant. C'est trop long, classique, en fait. J'en peux plus. J'en peux déjà plus, je suis level 14. En fait, c'est long. C'est juste long, en fait. Trop. C'est trop long. Tu vois, la quête, là, elle m'a dégoûté du jeu. Quand je l'ai prise, j'ai vu 43 minutes s'afficher. Thunderbluff, faut aller jusqu'en bas. Faut aller là. Faut remonter là. Pouah, vas-y, c'est trop. J'ai pas envie. J'ai pas envie, en fait. J'ai juste pas envie de faire ça, quoi. Le problème aussi, c'est pareil. Les quêtes de rage-feu, c'est bien, mais c'est pareil, il faut aller à l'autre bout du monde pour les valider. Pourquoi tu fais des quêtes reloues aussi? Ouais. Je vais avoir besoin d'y aller de toute façon si je fais rage-feu pour valider toutes les quêtes. On est en hardcore. Si je fais un donjon, c'est pour faire toutes les quêtes. C'est pas juste pour Pex. Tu vois ce que je veux dire? Ça donne pas envie. Ça donne plus envie. Je veux dire, sur SOD, on est quand même bien, quoi. Quand tu veux faire un reroll, ça va vite, quoi. T'as XP x 100, déjà ça va beaucoup plus vite. T'as des spells qui te permettent de régén. Enfin, il y a des mécaniques différentes. Enfin, c'est sympa. C'est sympa. Là, c'est dur. Pour rien. C'est pas sympa. C'est plus sympa. Un SOD hardcore, je signe. Hein. Je suis étonné que ça n'existe pas encore. SOD hardcore en vrai. Oh, je sais pas si je vais tenir. Hein. Je vois toutes les quêtes. Je vois tout ce qu'il y a à faire derrière. Je sais pas si je vais tenir mentalement. Hein. C'est même pas le jeu qui va me. Portez-vous bien, que la journée soit bonne. C'est pas le jeu qui va me tuer, je crois que c'est l'ennui en fait.
C'est l'ennui qui va me tuer plus que le jeu. Comment va? À une prochaine fois. Yo, revenez vite. Vraiment hein. Je pense que au-delà du jeu, c'est l'ennui qui va me faire arrêter avant même de crever. Salutations. Vous êtes au passage ? Ça m'ennuie. En plus, on n'est pas beaucoup sur le stream, donc du coup, on discute à que à 1. Quand il y a beaucoup de monde et tu sais qu'on peut discuter et tout, encore ça fait tenir un peu. Là, tu viens de revenir, Bichy, mais depuis tout à l'heure, il n'y avait personne. Bon, bah, je parlais dans le vent, quoi. Et quand on parle dans le vent, on se fait chier, quoi. Et quand on se fait chier dans le jeu et sur le chat, eh ben, c'est dur, hein. C'est dur. C'est très dur. Après, faut pas trop enchaîner les heures de hardcore, c'est comme tout doucement mais sûrement. Je suis d'accord, mais là, ça fait 1h36, c'est déjà trop long, mec. Ce matin, on a joué 2h40 ou 3h. Mais ça va, ça roulait bien, je trouve. Il y avait une bonne, il y avait un bon mood. Les quêtes s'enchaînaient bien. C'était pas mal, quoi. Là, j'ai l'impression de marcher juste... J'ai juste l'impression de marcher depuis 30 ans, quoi. Ce que je fais réellement, en fait. Je marche depuis 30 ans. Des flibustiers, canonniers, trucs de mort et compagnie. Huh. Je pense que dans 20 minutes j'arrête. Hein. Je vais faire que 2 heures. Hein. Passer level 15, c'est quoi? Je vais essayer de passer level 15. Et puis on va stopper au level 15. Ça me paraît pas mal, ça me paraît être un bon objectif, level 15. J'ai déjà pas mal de vidéos à mettre sur YouTube déjà sur ce perso. Ok. Le baron machin. Plus loin ça. Il y a du monde, hein. C'est incroyable comme il y a du monde par contre. Hein. Je suis rarement tout seul dans un spot. Hein. Le baron, il est là. Le baron 16, là, que je dois... D'ailleurs, je dois le tuer, le baron.
fait. Des canonniers, des canonniers. Ah bah voilà. Allez, le petit level 15 et on stoppe. Ok, let's go. Ok, continue. Il y a encore des brigands. Un brigand. Je crois qu'il y a des mobs là-haut, mais... Ah, il y a un canonnier là-haut, là. Canonnier, c'est bon. Du coup, il manque 3 brigands. Et on arrête. Là, il y a du brigand, là. C'est du brigand, ça? C'est du brigand, c'est du brigand, ça! Level up, let's go. On va tuer les brigands qui restent, valider la quête et on arrête. Hein. On va s'arrêter là, quoi. Ça fera 2 bonnes heures de live. En vrai, c'est pas dégueulasse. 2 bonnes heures de live. J'ai 2 points à mettre que j'ai absolument pas mis. Vraiment, on a rien à foutre. Vous conservez jusqu'à 5 points de rage. Ok. 3 points en blessure. 3 points pour fondre. Ok, je suis obligé de prendre ça. Ok. Le baron, bah. J'ai pas pris la quête. Je suis un trop de balles, visiblement. One brigand, por favor. Un brigand, por favor. J'ai tellement rien à foutre que j'avais même pas mis les points pour mon level d'avant.
Ok. Allez hop. On valide cette quête et on arrête pour ce soir. Demain, si la motivation est présente, on continuera hardcore. Si la motivation n'est pas présente, dans ce cas-là, je continuerai Warcraft 2. Voilà. Peut-être on va jouer à Warcraft 2. Il y a des chances qu'on fasse ça. Je sais pas encore. Là, pour l'instant, j'ai une baisse de motivation qui est arrivée soudainement avec la fameuse quête là pour m'envoyer à Mulgore là pour aller à Thunderbluff. Ouais, ma motivation, elle a fait waouh. Quand j'ai vu et que j'ai imaginé le temps que j'allais prendre, j'ai vu 44 minutes s'afficher, ça m'a complètement brisé mentalement. C'est très dur. J'ai pas envie quoi. J'ai pas envie de marcher pendant 107 ans. Et de regarder le plafond, ça me donne envie de vomir, rien que d'y penser. Donc on va réfléchir. On va réfléchir un peu à cette histoire. Parce que là, je peux vous dire que c'est pas fou quoi. J'avais pas un sac qui traîne, ouais voilà. Que la journée soit bonne. On va aider la quête. Téléportation AFK. Parfait, on va rentrer. Ça va faire quasiment presque 2 heures. C'est parfait. Je pourrais avoir besoin de votre aide. Voilà. C'est parfait ça. Livraison perdue, je sais même pas ce que j'ai repris. Ah bah voilà. On va parler à livraison perdue là. La course à la lentille. Ah bah ouais. Fuite de Porto. Alors la fuite de Porto, c'est Wailing Cavern. J'ai clairement pas envie d'y foutre les pieds. Mais alors clairement pas. Donc ça veut dire que le pacing va être très très long. Salut, comment ça va? Bien, c'est un cauchemar. Portez-vous bien. Portez le truc à Ratchet. Se fout de moi. J'ai été voir un comptable dans le jeu pour me dire qu'il y avait un problème, quoi. Visiblement. Faites vite, je n'ai pas de ça à faire. Bienvenue okay. À Ratchet. Retrouver la cargaison et la boîte et la lentille. Oh, ça donne quoi, ça? Oh, c'est pas dégueulasse. Seul truc qui pourrait vraiment me motiver, quoi. Bon, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé ce live, cette rediff sur YouTube, on sait jamais, YouTube, des bisous. Sinon, je vous donne rendez-vous demain matin, soit pour continuer hardcore, soit pour jouer à Warcraft 2, la suite, l'acte 2. Bref, je vous souhaite à tous une excellente nuit, salut tout le monde, bye, allez ciao.